France Inter. Le 7-9 de Patrick Cohen. Le traité budgétaire européen en débat dès demain à l'Assemblée nationale et toute la semaine sur France Inter, ici même entre 8h20 et 9h. C'est donc vous qui ouvrez le feu. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Vous étiez dans la rue hier après-midi avec plusieurs dizaines de milliers de personnes pour dire non au traité, mais avec pas mal de slogans hostiles au nouveau pouvoir. C'était une manifestation anti-Hollande euh, C'était pas le sujet. Sur ce dossier. Euh du traité européen, clairement, euh, nous sommes dans, dans l'opposition au traité. C'est d'ailleurs le traité commun de l'UMP et du PS, il faut quand même mettre les choses à leur place. Mmh. Non mais bon, quant à, sur cette affaire, à mais la tonalité de la manifestation, je parlais de, de slogans, de pancartes qu'on a tous vus euh, dans les reportages hier, qui c'était hostile avez, à François Hollande. Vous avez surtout vu celle-là, mais il faut avoir une, une vision d'ensemble. François Hollande, c'est une erreur à nos yeux terrible et, et euh, en, en signant ce traité qu'il avait euh, voulu renégocier disait-il il est incapable de nous dire quelle ligne quel adjectif quel verbe il a pu faire changer depuis que le traité a été signé par nicolas Sarkozy d'ailleurs la droite se moque de lui en disant mais on est très content hein, euh, vous faites euh, vous signez vous allez faire voter le, le traité de nicolas Sarkozy voilà alors après c'est pas quand même ça le plus important c'est important hein mais le plus important, c'est le mouvement général qui se dessine en Europe, qui nous permet en quelque sorte d'unifier une Europe sociale qui s'oppose à l'Europe de l'austérité. Les manifs, elles sont en Espagne, au Portugal, en Grèce, dans tous les pays d'Europe. Et les Français viennent de s'engager euh, dans ce chemin. Et vous allez voir que ce ne sera pas euh, la dernière fois. Alors, Alors là, ça avait un caractère un peu spécial, hein, puisque c'était une manif politico-sociale. Il y avait des euh. deux, les deux composantes étaient là. Euh, mais là la semaine prochaine le, euh, ce sont les syndicats qui marchent devant puisque la, la CGT commence un cycle de mobilisation voilà c'est un phénomène européen qui en france évidemment prend une tournure spéciale du fait que le gouvernement euh, S'était engagé à renégocier le traité, qu'il ne l'a pas fait. On va parler un peu plus tard de vos relations ou de votre regard sur euh, le gouvernement, son action, le budget, euh, oui. mais je voudrais qu'on parle du, du fond euh, du oui, traité. Vous, vous dénoncez, euh, Jean-Luc Mélenchon, l'austérité, mais euh, le traité, stricto sensu, n'impose pas l'austérité, il impose la discipline budgétaire. Il vise à mettre un terme au déficit accumulé, à l'endettement sans limite, c'est pas la même chose. Si c'est la même chose, parce qu'il ne faut pas jouer sur les mots, la situation actuelle est celle d'un endettement des États, qui n'est pas aussi monstrueux et excessif que ce qu'on en décrit. Ça veut dire qu'on pourrait l'accroître. Oui, bien sûr, sans aucune difficulté. Et surtout, on pourrait le financer de manière beaucoup plus fluide et moins coûteuse dans toute une série de pays. Auprès de Là, nous sommes pris auprès de la Banque centrale européenne, qui euh... devrait pouvoir prêter aux États la dette souveraine pour, la... pour acheter de la dette souveraine au prix auquel elle prête aux banques privées, c'est-à-dire à 1% et parfois moins. Avant que celle-ci ne reprête aux États. Ça, c'est de... l'aspect de fond. Ça fait des mois que je dis ça. Et maintenant, je ne suis mmh. pas le seul, puisqu'il y a toute une série d'économistes, toute une série de, de prix Nobel qui disent la même chose. L'austérité oui. ne nous mène nulle part. Mais puisque... ils ne disent pas, ces économistes, forcément que la BCE pourrait prêter sans limite aux États qui en auraient besoin, et, euh, sans, sans limite et sans frein à cet endettement Mais pourquoi... public, Jean-Luc Mélenchon. Euh, ouais, oui. Mais sans limite, sans frein, tout ça. Euh... Euh, il faut faire attention aux mots qu'on utilise parce que euh, moi je pourrais vous dire euh, on peut aussi euh, considérer que c'est une folie euh, de serrer la gorge des peuples sans limite et sans frein. Par exemple, nous en sommes au neuvième plan d'austérité en Grèce. Bientôt il n'y aura plus rien à vendre, peut-être la mer et, et l'air. Voilà, et ils trouveront un moyen de le vendre. Cette politique, c'est ça qu'il faut comprendre, Patrick Cohen, c'est qu'elle ne mène nulle part. Euh, tous les pays entrent en récession et comme les uns sont les clients des autres, euh, bientôt les Allemands aussi vont être atteints et ils, sont, ils entreront en récession comme toute l'Europe entrera en récession parce qu'il n'y a aucun mystère sur ce sujet. Les politiques qui sont appliquées, les politiques d'austérité, de contraction de la demande publique, nous conduisent tout droit au désastre. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Car il n'y a pas d'exemple qu'un seul pays se soit redressé grâce aux politiques d'austérité. Tous se sont enfoncés. Alors à partir de là, que fait-on on regarde et on continue à avoir un, un raisonnement étroitement comptable, en se disant :« Bah, nous allons rétablir l'équilibre. » Entendez ce qu'a dit euh, François Hollande. Euh, il, euh, il a l'intention de rétablir l'équilibre absolu, c'est-à-dire arriver au point zéro, en dessous même du déficit structurel prévu par le traité en 2016. C'est-à-dire bon. qu'il va s'opérer une ponction gigantesque sur euh, l'économie de notre pays. Car en France, c'est comme ça le premier investisseur, ce sont les collectivités locales et l'État c'est comme ça en France vous pouvez le regretter euh, euh, moi je connais la raison pour laquelle les entreprises privées n'investissent pas plus qu'elles ne distribuent de, de dividendes mais c'est en fait c'est comme ça en France donc par conséquent nous allons au désastre voilà ce rétablir l'équilibre à vos yeux ça n'est pas une nécessité un impératif et un objectif Je prends un exemple sur la, si par hypothèse le gouvernement avait proposé non pas 20 mais 50 milliards de hausse d'impôts sur les entreprises et les plus riches sans couper dans les dépenses et tout en respectant les 0,3% vous auriez applaudi ou pas. Et bien sûr mais de quoi parlons-nous de, de vos rêves ou des réalités Non, je parle de la différence entre l'austérité que vous dénoncez oui. et l'assainissement budgétaire, la réduction je des vous rem, déficits je, je vous qui est prévue dans le traité européen. Cette, oui, oui Je vous remercie de faire cette précision, mais ce dont vous parlez n'existe pas. Pour l'instant, ce ce, la réalité, c'est partout la contraction de la dépense publique, partout la destruction des services publics, partout la régression des prestations sociales. Je vous signale, monsieur Cohen, pour le cas où, où cette information ne serait pas venue à l'oreille de vos, de, de vos auditeurs que dans huit pays d'Europe, huit pays d'Europe, l'espérance de vie a reculé et ou en particulier en Allemagne, ce qui nous est présenté comme un modèle. Donc peut-être qu'il serait temps de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Alors l'équilibre des comptes publics et l'austérité, ce sont deux choses différentes, mais ce dont nous parlons aujourd'hui, ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, c'est l'austérité, avec en vue l'équilibre des dépenses publiques. Mais M. Cohen, vous, moi, nous savons parfaitement à cette oh. heure que l'équilibre des dépenses publiques ne sera pas atteint par la politique d'austérité. C'est le contraire qui va se passer, c'est-à-dire que les déficits vont se creuser. Parce que quand on contracte la demande publique, l'investissement privé ne prend pas le relais et donc les déficits se creusent, donc les coûts sociaux augmentent du fait du chômage et du fait de, des maladies et de tout ce qui se répand dans la société. Ce que je dis est en train d'avoir lieu en Grèce et en Espagne. Et si le vieux continent. Qui, du fait d'erreurs déjà de grands génies économistes qui avaient la même vision dans les années 29-30, ne comprend pas la nature des risques auxquels on s'expose quand euh, on soumet des millions de femmes et d'hommes à une politique de cette nature, c'est que vraiment l'histoire ne nous apprend rien. Moi, elle m'a appris, c'est pourquoi je réagis. Donc, dans votre esprit, je poursuis mon raisonnement, oui. euh, il faudrait. S'endetter davantage, emprunter encore davantage, ou, ou bien, euh, bien. Parce sûr, que certains. Ce que je dis, certains vous, certains... vous proposent de ruiner l'État, et si c'est possible, d'envoyer le pays à la mer. Oui, vous avez été parfaitement compris. Non, certains de vos partisans Alors, pensent qu'il faudrait que le pays se mette en défaut, euh, que la France ne rembourse pas euh, toutes ses dettes. Ce pas ma position. Ma position, elle est qu'on euh, doit relancer l'activité. Si pour relancer l'activité. Il faut s'endetter, alors il faut s'endetter. Je voudrais que ceux qui nous écoutent, parce que vous savez, moi j'ai la parole, j'en suis heureux ce matin, euh, mais le reste du temps, c'est un moulin sans fin qui répète sans arrêt la catastrophe de la dette. Savez-vous ce qu'est le coût de la dette dans un budget annuel C'est 49 milliards d'euros. Mmh. Combien produit la France eh, Combien produit-elle chaque année Mil, euh, Aux alentours de 2000 milliards d'euros. C'est-à-dire que le coût. Ce que nous payons de la dette, c'est 2, quelque chose. N'importe lequel d'entre vous autour de cette table. Quand il s'endette, le banquier lui fixe comme limite, par exemple pour un appartement, que ce soit pas plus de 30% de vos revenus qui passent dans les paiements des emprunts. 30% Pas 2,5 30% une, la situation comptable aujourd'hui est absurde. On compare un flux à un stock. C'est-à-dire que l'on prend le total du stock de la dette, le total, comme vous le feriez pour tout ce que vous devez, vous, M. Cohen, qui avez acheté votre appartement, tout ce que vous devez à votre banquier, on le rapporte au, à votre revenu d'une année. C'est un mode de comptabilité absurde. Il faudrait le, le rapporter à la somme totale de ce que vous allez gagner pendant la durée de votre prêt. Si donc nous rapportons ce que la France doit à la somme totale de ce qu'elle va produire pendant la durée moyenne de la dette, alors on constatera que la France est endettée pour même pas 12,5 ou 13% du total de la richesse qu'elle produit, c'est-à-dire quelque chose qui est tout à fait supportable. Maintenant, si vous voulez soi-disant mourir guéri, je vous informe que vous ne pourrez pas mourir guéri, vous mourrez malade car L'austérité engendre l'austérité et rien d'autre. Voilà la vérité économique. Un mot de la situation. Euh... Ça veut dire des monsieur Cohen. Ça veut mmh. dire que là, à la fin de l'année, il y aura plusieurs centaines de milliers de chômeurs de plus. Il y aura plusieurs dizaines de services euh, hospitaliers de fermer. Il y aura des centaines et des centaines de services publics qui vont euh, fermer. Voilà ce qui va se passer. Et après, on va m'expliquer que c'est comme ça qu'on rétablit l'équilibre des comptes. Bien sûr que non. Donc, les impossible. parlementaires du front de gauche voteront contre le budget au parlement. Vous leur demanderez, ils ont deux présidents, André Chassaigne et Eliane Assensi. Ah bon, c'est pas Sénat. forcément non. Ben, c'est-à-dire que c'est les groupes qui décident, puis il va y avoir un débat. Non vous mais... êtes terrible, vous. Peut-être que dans le débat, la raison euh, va s'emparer de nos interlocuteurs. Vous savez, le débat mmh. il va durer jusqu'à la fin du mois de novembre. Monsieur Cohen, quelqu'un autour de cette table est capable de me dire que d'ici au mois de novembre euh, la vie en Europe va être un long fleuve tranquille, que l'Espagne ne va pas faire défaut, que l'Italie ne va pas faire défaut. Il y en a pour combien en Espagne 790 milliards au total de dettes. Ils doivent encore faire rentrer quelque chose comme 70 ou 100 milliards d'ici décembre prochain. Alors, mes amis, qu'est-ce qui va se passer Donc, ça n'est pas écrit. Eh bien, ça veut dire que d'ici parlement... à la fin du mois de novembre, mmh. vous allez avoir des débats extrêmement vifs en Europe. Mmh. Parce que la situation ne doit pas s'analyser dans un seul pays. Elle doit s'analyser par rapport à, à l'ensemble de ce qui se passe passe en Europe. À propos de débats très vifs, euh, vous avez, euh, <laughs> vous avez un... <laughs> en ligne de mire, c'est le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Alors là, euh, j'ai lu sur votre blog, impayable Jean-Marc Ayrault qui ne cesse de mentir, qui va chercher ses arguments chez Le Pen, un homme qui ne lit rien, qui ne connaît rien, un incapable, sauf à faire des phrases contre les personnes. Il y a un grand problème avec cette gauche sectaire, et Ayrault est une bonne partie du problème. Qu'est-ce qui vous a fait, Jean-Marc Ayrault bah, euh, précisément, depuis le début, vous aurez observé que c'est le mépris. Euh, il ne parle à personne, en tout cas, euh, il ne s'adresse pas euh, à moi en particulier. Parce ah bon. vous parlez de moi. Mmh. Non mais attendez, s'il si, s'adresse à moi, laissez-moi finir, monsieur Cohen, avant mmh. de vous réjouir. Ça à moi pour ah, me dire. Non, mais il est jubile, vous savez, c'est le truc du journaliste. Quand le train s'apprête à dérailler, aussitôt il a, il tout. Il fume, des, il sort des, des jets de fumée non, des, non, des oreilles. Je... Hein. Bon, alors, calme. non, mais le, 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 pour l'instant, voilà ce qui s'est passé, Monsieur Cohen. J'ai interpellé le Premier ministre. Je pense que je suis euh, en état. Je suis un interlocuteur. Je ne dis pas très important. Juste parmi ceux qui ont provoqué la défaite de Nicolas Sarkozy et on pourra se souvenir, mais je ne veux déranger personne, hein, que euh, 4 millions de Français ont pensé que c'était utile de voter pour moi et de suivre l'idée qu'au deuxième tour, il fallait battre Nicolas Sarkozy et de faire élire François Hollande. Il me semble que ça, met, ça vaut au moins le. le comment dire le. Le, le statut d'interlocuteur. Hein, quand je pose une question, on pourrait par courtoisie me répondre. J'ai posé des questions à propos euh, du traité et surtout de ce qui s'était passé pendant les vacances parce que, et de ce qui continue à se passer, c'est que ce gouvernement mmh. ne marque aucun rapport de force avec le capital, ce qui est une erreur. Et qu'est-ce qu'il a répondu, M. Hérault, euh, fort de toute sa brillance intellectuelle, que je n'avais même pas été élu président de la République, ni même député. Voilà la réponse. Mmh. Et depuis, c'est tout. Ce qui n'est pas inexact. Euh... Oui, vous avez raison, Monsieur Cohen. Vous avez tout à fait raison. Vous-même non plus, vous n'avez pas été élu non, président de la République ni député. Qu'est-ce que public. vous faites là derrière ce micro Dites-moi, mmh. dites-moi. Mmh. Dites vous n'êtes même pas euh, capable, digne de parler à Monsieur Hérault. Vous vous rendez je pas, pas compte candidat, je vous Voilà. Oui, oui. <laughs> bon. mais, ça, c'était la bonne réponse, Monsieur ouais. Guetta. C'était ça. Mais bon, Cohen a été un peu pris de Donc, coup. ce que vous reprochez à Jean-Marc Hérault, c'est son esprit à votre non, égard et Cohen. le fait qu'il ne réponde pas à vos interpellations. Je pense que dans la vie démocratique, pour que la démocratie fonctionne, il faut qu'il y ait du respect, donc de l'échange et donc de l'écoute. Quand euh, euh, Jean-Marc Ayrault dit les lignes ont bougé à propos du traité, il a fallu deux mois et demi de journalisme qui le harcèle pour qu'il finisse par dire ce n'est pas vrai, le texte est le même. Donc vous avouerez qu'on aurait gagné du temps s'il avait accepté le débat auparavant. Donc oui, c'est clair, Jean-Marc Ayrault est un problème dans la mesure où il ne parle à personne et qu'il refuse d'entendre, mais simplement la courtoisie de pouvoir échanger.